Tous égaux. C'est pas parce qu'on est tous égaux qu'on est tous pareils, tu sais. Vous avez votre papier de mariage ? Un jour, tous les peuples africains seront libres comme notre Mali. Un jour, le ciel s'éclaircira. Aux parents et aux promises, restez dans le jardin aride où les hivers sont doux. Je suis né au Brésil. J'ai fait plusieurs crèches et orphelinats au Brésil. Donc j'ai vécu une répétition d'abandon durant ma première année. J'ai pris conscience de mon adoption vers l'âge de 5 ans. On vient de quelque part et on est le fruit d'une histoire avant et de choses avant. On vient de quelqu'un. Je suis allé voir mon grand-père. J'avais sur moi le cassette audio et un petit micro. Je lui proposais de recueillir sa parole. Je voulais savoir ce qu'avait été sa vie de colonisée. Sortir des mythes que je m'étais fabriqués. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque. Une photographie prise entre 1975 et 1979 par les Khmers Rouges quand ils dirigeaient le Cambodge. À elle seule, bien sûr, une image ne prouve pas le crime de masse. Mais elle donne à penser, à méditer, à bâtir l'histoire. Nous vivons un moment inouï, à la fois heureux et empreint d'une certaine violence. On ne sait pas quoi faire de cette durée nouvelle arrachée à notre vie.